Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing un peu spéciale parce que j'ai commandé un porte-monnaie Louis Vuitton sur Wish. J'ai vraiment hâte de voir à quel level l'article est foutu, un petit peu voir la qualité de l'objet et voir si c'est vraiment reproduit à l'identique comme sur la photo et voir pourquoi pas si c'est vraiment reconnaissable ou pas, mais normalement je pense que absolument. En tout cas on va commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, ça fait forceur mais voilà, ça me motive énormément. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous voudriez voir en live en fait, parce que je compte reprendre les lives mais je sais pas trop quoi faire en fait, je veux plus trop jouer mais j'ai envie de faire des trucs donc je sais pas du tout. Proposez-moi des petits concepts que je pourrais faire en live, genre des défis, je sais pas moi, défis pompe, défis Photoshop, défis Sony Vegas, des trucs comme ça, des trucs que vous pourriez me donner un petit peu. N'hésitez vraiment pas, ça m'intéresserait énormément de savoir ce que vous voudriez. En tout cas je galère un petit peu à ouvrir et j'ai peur de couper l'objet en question. Ok. Wesh. What. Je vais l'offrir pour la Saint-Valentin, hein. Vraiment. Ok, parfait. On va l'ouvrir et puis on va voir un petit peu la qualité, comme je redis encore. Franchement. Oh, wesh. Ah non, ok, j'ai cru qu'il y en avait un deuxième. Ah putain, faux espoir de merde. Ok. Et franchement, GX avec ça, mon pote. Oh là là. Si ça, c'est pas beau. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce truc. Voilà. Pour accrocher là, quoi. Et sinon il y a ça pour le mettre autour de soi, genre comme ça un peu. Mais vas-y, enfin non, même pas comme ça, putain, qu'est-ce que je raconte. On va le mettre et voir ce que ça donne, mais putain, je suis choqué. Pour le coup, je serais PDG de genre de Louis Vuitton. J'aimerais tellement pas qu'il y ait des contrefaçons tellement accessibles comme ça. Vraiment pas. Même si leurs prix sont chers et tout, mais voilà, c'est pas une raison quoi. Je vous avouerai que j'ai jamais touché de porte-monnaie Louis Vuitton, donc je pourrais pas vous dire un petit peu la qualité du truc. Mais en fait c'est un portefeuille, qu'est-ce que je raconte moi. Bon allez c'est parti, je le teste. Non mais vas-y ça, en vrai genre le fil c'est juste pour le mettre comme ça pour voir ce que ça donne. Mais sinon je vais même pas utiliser l'objet, mais sinon j'aurais pas utilisé comme ça quoi. Bref, j'essaie de voir sur Google l'authentique et le faux en fait, pour voir un petit peu la différence qu'il y a. Et je mettrai une image à l'écran. Ah ouais putain, c'est carrément pas ça. Ah ouais c'est carrément pas ça quoi, vraiment le... Ok, ça a rien à voir. Ok, pas du tout. Non, mais qu'est-ce que... Mais bien sûr, il manque les logos LV. J'avais même pas remarqué. Et les fleurs, en fait, c'est pas du tout ça aussi. Mais sur le coup de l'inattention, on dirait vraiment... Les petites fleurs, les petits logos, c'est absolument pas comme ça. Mais vraiment, pour le coup, on dirait tellement quand tu penses à Louis Vuitton. Bon, à l'intérieur, c'est comme ça. Il y a deux parties différentes, séparées par ça. Et à l'intérieur, c'est un tissu. Ça, ça a l'air un petit peu chiant, ça. Ouais, ça a l'air un petit peu chiant, je sais pas, genre ça fait beaucoup de bruit. De toute façon, je vais pas l'utiliser donc je m'en fous. Voilà, peut-être que je le ferai gagner dans un live, je pense, je sais pas du tout. Ça pourrait être cool. En tout cas, voilà, l'annonce n'avait pas menti, c'était vraiment ça. Et puis voilà, quand j'ai rien d'autre à dire. Et ça, est-ce que je le mets. Non, ok, je vais le mettre là. Par contre, sur coup de ligne d'intention, on dirait vraiment un truc Louis Vuitton quoi. Ah, le truc, il est coincé. Ok, franchement parfait. Je pourrais pas vous dire réellement les différences qu'il y a entre la texture et tout, parce que comme je vous ai dit, j'en ai jamais touché et j'ai jamais vu. Mais bon, enfin par rapport aux photos, c'est vraiment pas du tout ça comme ça en fait. La forme n'est pas du tout comme ça. Il y a rien de cohérent en fait quand tu regardes bien précisément. Mais sur le coup de l'inattention, on pourrait croire en vrai que les motifs sont vraiment pas du tout les mêmes. Exactement, pas du tout les mêmes. Est-ce que les couleurs, par exemple, attendez, je crois que les couleurs elles se rapprochent beaucoup. Hein. Ouais, même pas limite. Hein. Je sais pas, un petit peu. Donc voilà, j'ai rapproché mon téléphone pour que vous voyez bien comment c'est foutu et que vous voyez bien un petit peu la matière, que vous l'imaginiez. Là, les motifs sont bah, comme ceci. Et par rapport au vrai, bah c'est pas du tout comme ça si on regarde bien précisément. Mais genre, dans la rue, tu vois quelqu'un partir comme ça. Enfin, si tu connais pas trop comment ils sont foutus les articles et tout, si t'es pas un expert, tu pourrais croire, je pense, sur le coup de l'inattention. Mais après, il y a aucun signe de Louis Vuitton, vraiment aucun, il n'y a aucune étiquette sur le côté ou quoi, enfin même à l'intérieur, il n'y a aucun truc qui montre que c'est Louis Vuitton entre guillemets. Après il y a ça avec bah, les tout petits trucs et tout, et avec ça, voilà, je crois pas que ça existe en fait, les modèles comme ça. Du coup en fait pour les marques, enfin pour les marques, pour les producteurs de cette contrefaçon, ils sont encore plus loin de légalement bah, la contrefaçon. Du coup bah c'est mieux pour eux. Mais voilà comment c'est foutu. Même les coutures, jamais Louis Vuitton ferait ça, je pense, je sais pas, mais c'est un petit peu plastique, c'est même pas du cuir. Ouais clairement c'est du plastique, ouais. C'est clairement du plastique. Là je pense que vous voyez bien comment c'est foutu. Mais en tout cas voilà, franchement sur Wish il y a des tout et n'importe quoi, c'est un truc de malade. Je sais même pas comment ils font pour ne pas se faire contrôler un minimum. Franchement c'est dingue ce qu'on peut trouver en vrai dessus. Je vous mettrai le lien si vous voulez, hein, clairement pour le coup. Si vous voulez pas vous ruiner pour un cadeau de la Saint-Valentin, bah allez-y.
Ça fait un peu chiant, vraiment. Je sais pas ce que je vais en faire, du coup, je vais peut-être le faire gagner, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, il y a rien du tout à faire avec ce truc, en fait. Il y a rien à faire. Hein. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait et à me proposer d'autres articles comme ça en commentaire pour que je puisse savoir quel genre d'unboxing je pourrais faire par la suite. C'était une petite review toute simple d'une contrefaçon Louis Vuitton trouvée sur Wish. J'espère que ça vous aura plu. Et comme je vous redis, dites-moi ce que vous voulez voir en live par le biais des commentaires. Je lirai tous vos commentaires, donc n'hésitez vraiment pas et mettez un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et voilà. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous laisse, c'était GX. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.